Et salut tout le monde, c'est Jean-Bloc et on se retrouve pour ce 64e épisode du Let's Play d'Horizon Zero Dawn. Et on va tenter de s'infiltrer, tant bien que mal. Le problème c'est que peu importe où je vais aller, il y a un petit fumier de tracker dans le coin. Est-ce qu'il y a une possibilité de grimper là-haut? Pas assez. Ben non, il y a un truc là-haut aussi, de toute façon. En fait, je suis de la baisse, mais puissance 1000 si je fais ça là. Il sait pas où je suis, hein. Regardez là-bas. Mais est-ce que... Il y en a deux. C'est quoi leur point sensible? Faiblesse, électricité. Mais les trackers, je déteste ça. Oui, j'aime bien viser comme ça, comme une merde. Bah oui, merde. Je ne fais que passer. Je ne cherche pas les ennuis. Dégueule le cochon. Ah, c'est un petit chemin facile pour moi. Et oui, ils ont pensé à nous avec les trackers. Bien sûr, quand t'as un bestiau qui fait du bruit comme ça. C'est tranquille. L'eau c'est plus discret, oui. Je sais pas la logique. Ah, la pression, hein. Non, t'es sérieux, il y en a un là aussi? Oh, une blague. J'ai cru apercevoir une silhouette de tracker dans le coin. Si je suis pas con, il est juste à côté de moi. Que j'ai cru reconnaître une silhouette là. Ah, celui-là un peu loin. Là, je suis pas grillé. De mort qui disparaît comme par magie. On n'avait pas besoin de ça. Genre... What the fuck? Ouais, c'est bon.
je vais clamser. J'ai pas d'angle. J'ai pas d'angle. Ouais, genre, j'ai pas le temps de récupérer de la vie. Tu vas m'expliquer ça. Je vais pas commencer à... Ça va pas commencer à me saouler. Parce que déjà, un truc qui est censé nous voir alors qu'il regarde pas dans notre direction, alors que je m'étais planqué dans des fourrés, apparemment, et j'étais pas bien planqué dans les fourrés. Ça commence déjà mal. Ah, il m'avait pas prévenu que c'était pas Disneyland ici, hein. Et chut, t'es sérieux, le seul endroit que... Sérieux, tout le chemin que j'ai parcouru, je peux me... Mais c'est une blague, quoi. Je veux bien qu'il y ait des sauvegardes, mais pas aussi éloigné de ça. Au moins, j'ai passé ça, qu'ils me disent, ouais, fais attention, il y a des trucs là-bas. Genre le message vers ici, vous voyez. Genre je grimpe là et puis là il ouvre sa gueule quoi. Mais là ça veut dire que je suis obligé de retourner là-bas. De faire tout le chemin à la con que j'ai fait. Avec le petit ralenti comme ça. Parce que le jeu n'est pas assez intelligent. Des traqueurs dans la lande. Et des veilleurs de l'autre côté. Ouais, les veilleurs, c'est ceux qui m'a grillé. J'avais oublié le fonctionnement des bestioles dans le jeu. Donc c'est un problème pour l'instant de me rendre compte que peu importe là où je vais, il y a des bestioles. T'es sérieux? Qu'est-ce qu'il fout là le tracker? Genre il a cru qu'il était camouflé. LOL. Wesh. Genre il me voit. Vous savez quoi? La machine m'a vu. Bah oui, t'as vu. En même temps, tu lui tires dessus, couillonne. Wesh! Allez vous faire voir! C'est pas moi! Vous m'avez pas vu! Comment ça tu cours plus vite que moi? Ouais! Ouais! Vous savez quoi? Allez, à plus dans le bus! À plus dans le bus! Bien défendu. Mais je peux passer. Vous m'avez pas, je suis coincé dans un endroit où vous pouvez pas me choper. Regardez tellement bien que c'est bugué. Eh si, je peux grimper. Comment je remonte? C'est une blague, sérieux? Allez, hop. Regrimpe à l'œil. Bon bah. À l'œil, une solution. Suicide-toi. Quoi? Pas me suicider, à l'œil. Mais si, c'est la solution. Oui, je fais la voix d'Aloy. Très bien. Vous avez reconnu, hein. Non, mais sérieusement. Bon, je suis en bas du merdier. C'est cool. Allez.
Allez, en route pour l'aventure. Ils sont toujours en point d'interrogation. Est-ce que je peux passer par là? Je sais pas. Apparemment, il y a des trucs pour grimper. Allez, on y va. Prenez-moi, t'y veille. Ah, on réapparaît là. Donc ils sont en alerte, ça veut dire dès qu'ils voient une routine, c'est bon. Oui. Je vais faire profil bas. Genre, la meuf elle va faire profil bas, bien sûr. Et lui là-haut là. Genre. Mais ta connerie toi là. Tu t'es cru où là? Mais bien sûr, je vais faire comment pour passer? Je veux bien, mais moins de centimètres carrés que je veux avancer, je me fais griller. Je veux bien à un moment donné que la difficulté, parce qu'on arrive proche de la fin, est un peu plus élevée, mais là quand même, le moins de centimètres carrés, c'est soit je les défonce, soit je me fais défoncer. Donc à un moment donné, voilà. Pas envie de me faire défoncer. Là, il y a une caisse qui s'ouvrira jamais. Donc là, je vais remonter et refaire tout le passage que je... Ce qui me saoule. Très clairement. Et puis des fois, j'appuie sur une touche qui est une touche pour The Last of Us. Et... pas bon. Plus The Last of Us, je l'ai terminé. Alors, on essaye tranquillement de faire quelque chose. Donc le problème, c'est que... peu importe l'action que je vais faire, elle sera pas forcément discrète. Des trackers dans la lande. Il faut que je one-shot. De l'autre côté. Et ok, si je passe sur les mauvaises flèches, elle va pas le faire. Parce que là... le délire... c'est qu'il y avait un tracker là tout à l'heure. Et le tracker il est là maintenant. Mais c'est une blague, sérieux. Je vais avancer là, lui il va me regarder tranquillement. Il va me faire coucou à l'œil. Je croyais que t'allais passer. Mais c'est genre les trackers, ils se croient discrets, tu sais. Ouais, genre tu m'as pas vu, alors que tu vois que ça. Regardez, lui aussi, là. En fait, t'en as deux, quoi. Faudrait que je les défonce. Le problème, si je les défonce, ils sont au moins 3-4. Et s'ils sont... et avec 3-4, je me fais défoncer. Si je monte sur le caillou là-bas, est-ce que je parais discret? Du moins inatteignable. Je sais que certaines phases dans le passé dans le jeu, je les ai fait parce que je les ai réussi du moins. Parce que les mecs ils arrivaient pas à m'atteindre. Donc peut-être là, faire pareil. Le problème, c'est qu'ils ont des... donc je vais faire en sorte de défoncer les trackers. Oh,
Vraiment, je te vois pas, toi. Je les ai coincés. Le problème, c'est que... Alors là, je veux bien. On est d'accord? Mais là, les mecs, à 3000 km, c'est bon, quoi. Est-ce que c'était bien joué? Franchement. Dites-le dans les commentaires, tiens. La technique était bien jouée, parce qu'apparemment, il n'y a que moi qui peux accéder à cette hauteur-là, et eux... Ils l'ont dans le cucu. Il y en avait plus proche que ça quand même. Je vais les éviter pour l'instant. C'est ça, il n'y a rien à voir ici. T'es sérieux là? Nya 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 nya. Là. Allez. Hop là. Donc il y avait une machine de mort qui était planquée en genre tu m'as pas vu prendre là. Corruption de bobine. Est-ce que j'ai une bobine de corruption moins élevée? C'est où les corruptions? Ça. Donc je peux virer celle-là. Ouais, je prends toujours le truc un peu plus... meilleur quand même. Sinon, aucune utilité. Donc on va passer quand même sur l'autre rive. Je veux pas... Les veilleurs rouges. On va dire, je me suis plutôt bien débrouillé. Ah mais en fait, quand tu passes offensif là dans le jeu, ça change tout. On va dire dans le sens où si tu les agresses, t'as plus de chances de gagner. Si tu te fais griller quoi. C'est le problème de vouloir trop être passif, on va dire dans le sens de vouloir être trop le
trop discret. Des fois, ça a du bon. Franchement, la discrétion, c'est efficace par moment. Autant des fois, tu vas te retrouver à tenter d'être discret et te faire griller à la moindre action, au moindre déplacement. Donc là, le fait d'avoir pris un endroit où il pouvait pas me choper en corps à corps était plus intéressant. Stratégiquement, c'était la meilleure solution. Et j'ai avancé grâce à ça. Allez, on avance tranquille. Elle pense peut-être défendre Gaïa. Ça m'étonnerait qu'elle pense. C'est plutôt de l'instinct qui les attire vers sa tombe. Non mais sérieux? Quand est-ce que j'ai la paix? Et là j'ai vu que dans le carnet, point de données, j'avais récupéré un point de données. Ouais c'est ça en fait, c'est pour ça que j'ai... Voilà. Bon. Catalogue des machines, il y en a comme une. Pff. 35 heures de jeu quand même. Alors, la question que je me pose... C'est comment je suis censé passer avec ces guignols-là. Alors, je veux bien. La stratégie offensive tout à l'heure était la bonne. Et là, t'as des piafs partout. Et là, elle est là-bas. Sans compter que t'as... un ravageur. Ça doit être un ravageur aussi. On a un veilleur rouge. Là-bas, j'arrive pas à l'identifier. Donc, ils attendent patiemment que moi je passe tranquille et font. Hey, coucou, qu'est-ce que tu crois que t'allais faire quoi là? Son côté, que ça se trouve, il y a encore des trackers en mode invisible et ils vont faire coucou. Discrétion. Il analyse quoi? Non. Rejoindre les ruines du complexe, je veux bien, mais... parsemer d'embûches. Alors lui, il faudrait que, quand il vient vers moi, je le défonce discret. Le problème, c'est... ah, une attaque silencieuse. Alors ça, c'est quoi? Ravageur, toujours. Regardez s'il y a quelque chose d'intéressant sur son cadavre. J'aurais pu le pirater. C'est ça que j'ai oublié, c'est que je peux pirater les certains. Mais il va tenter de pirater un truc qui sert à rien face à d'autres. Encore un ravageur. Quoi? D'où il m'a vu? D'où il m'a vu lui?
Je me tire parce que je suis un gros boulet et que j'ai des ravageurs sur la gueule. Bonjour. Et vous savez pas passer. Je me tire. Mais ils sont partout. Ils sont partout. On dirait une phrase de Marine Le Pen. Est-ce que je tente le rect en allant direct à la zone? Oui, je vais tenter. Allez. C'est la pression totale là. Mais grimpe, connasse. Ouais, je l'insulte parce que j'ai un moment donné où j'ai quand même ma vie en jeu, entre guillemets. Oui. Pendant que je me fais... Cinématique pendant que je me fais attaquer derrière, quand même. C'est une blague, hein. D'accord. Je crois que c'était le dernier qui me manquait. Je crois que j'y suis presque. Ouais. L'oiseau tempête. C'est quoi ces faiblesses déjà? Je crois qu'en fait, je peux. Ça sert à rien de le combattre. On va faire la technique du zigzag, ça marche contre les snipers des fois. Sauf quand ils sont trop doués. Ou pas. Il a des dégâts de zone, il a des dégâts de zone, je l'emmerde. Laisse-moi courir tranquille, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. On va en prendre encore une. Déflagration. Ouf. C'est... Sacrifice de Gaïa. C'est ça. C'est ça qui a fissuré la montagne comme un œuf. Réponds pas surtout, connard. Oui, oui. Allez, vite. J'ai pris soin de te préparer le chemin. Alors, tu es déjà venu? En partie. Tu verras. Ok. Donc, on va avancer. Est-ce que tu nous as mis un petit truc pour sauvegarder? Non, sdemerde.com. Tu m'as préparé un passage, mais tu as laissé toute une armée de machines? Depuis quand les machines t'empêchent de passer? Si tu pouvais voler, je ne me serais pas cassé la tête à faire un chemin. Ok. Il s'est cassé la tête à nous faire un chemin. Regarde pas en bas, regarde pas. Voilà. Là, il n'y a pas de feu camp. Hein. Je pense que ça, là, le chemin, là, ça sert à rien. J'allais dire, c'est un chemin qui va servir à... C'est exactement le genre d'endroit où je pensais pouvoir te trouver, Silence. Merci. C'est l'un des nombreux ateliers que je me suis bâti au fil des ans. Tu auras tout le temps de fouiller cet endroit plus tard. Mais je fais ce que je veux. Faro. Faro, industrie plutôt. Je vais être obligé d'arrêter là parce que vous, comme vous le voyez, ça va être un peu très... Avec un track, ça va être peut-être une scène cinématique, donc je vais éviter quand même d'avoir un débordement là parce que...
On est quand même dans la trentaine de minutes. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le faire savoir par les moyens habituels. Le like, le commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est un petit commentaire au cas où. Et regardez les précédents épisodes si vous ne les avez pas vus. Moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Ciao, bye bye!